Comme député en Bel des collines, il est constaté, gouvernement par mesure pour apporter solution dans une situation compliquée ou un grand match provoqué dans le pays après passage libre. Et reprocher gouvernement qui n'est pas même cabaye chiffre sur quand c'est monde qui mourit dans le sud grand de sa CNIP. En Bel des collines considère pouvoir ça comme un pouvoir négligent et un pouvoir Wagner. Dans ce sens, il demande et KIP prend disposition pour organiser l'élection le plus vite que possible. Pour élu dirigeant légitime qui a bien pu diriger PIA à partir 7 février 2017, la belle découverte de Nico Winchell Arrière. Et bagaille pour travail électricité, action gouvernement. Plus de 10 jours après événement malheureux, ça, camion encore pour déblayer, constaté l'incapacité des tracteurs, l'incapacité de l'administration privée et l'exigence pour gérer situation de département sur un pays qui est 11 départements. 10 jours après cyclone Mathieu a fini passer. Il constate que le gouvernement, pour les gens en mesure, pour faire évaluation globale, pour ne pas dire définitive, par rapport à dégâts. Et bien, à partir de arriver là, côté de contenu, c'est le plan social de la présidence. Nous constatons tout, le gouvernement, pour les gens en mesure, pour le bail, le coût de la reconstruction, ou encore en termes de réparation des dégâts. Pour assister tout simplement à des conférences à au niveau de la présidence, au niveau de la prédation, au niveau de la protection civile, sans rien de concret. Le gouvernement, les contestés, nombre de victimes, la presse à ONG internationale, vaille après cyclone Mathieu. Alors, tout ça, nous est là, par un mesure, pour convaincre tout ça, c'est le plan social de la présidence. Sous chiffre, nombre de victimes, vaille après passage cyclone. Gouvernement tout, pas même en mesure pour convaincre aucun monde sous action que la contre-femme. Ce qu'il faut savoir, 10 jours après passage, cyclone Mathieu, plus fort est dérivé le département sud à grandeur qui ravagé malheureusement pendant passage cyclone. Faut nous noter, c'est des ONG et surtout des candidats qui n'ont pas humanitaire qui portaient plus fort assistance. À date, gouvernement pour vraiment montrer le plan social de la présidence pour le côté assistance by population qui est victime. Et puis, nous tous conscients et tout le monde d'accord, situation catastrophique, département Grand'Anse à département Sud, c'est au même qui prioritaire. Mais gouvernement gagne tendance depuis passage, selon ça, qui a ravagé deux départements, pour négliger respire. Il est vrai, nous sommes conscients que c'est département ça qui est prioritaire, mais la République les continue à fonctionner. La République les continue exister. L'autre département, il y a gagné le problème qui doit être adressé. Comment expliquer le ministère de l'Intérieur les annoncer qu'il a fait virement environ 200 000 gouttes pour municipalité et il a choisi des municipalités qui doivent bénéficier de virement ça et gagner de l'autre municipalité qui pas bénéficié. Voilà, Jean-Luc Pata de Lance, député Abel Descollines, candidat au Sénat, département l'Ouest, département centre, pays d'Haïti. Bilan provisoire victime ouragan Mathieu continue à augmenter. Autorité haïtienne a déjà enregistré 473 calamités, 75 disparus avec plus passé 1 500 000 sinistrés d'après ministre intérieur. François Annick Joseph fait qu'on est. Gouvernement a multiplié GFOL pour évoquer aide by moun qui dans zone côté accès yo. Plus difficile. Reportage offre des sources. 473 morts, 75 disparus, 339 blessés, gagné 1 410 000 avec quelques centaines de monde qui en situation qui ont eu besoin d'aide humanitaire urgente. Ce nouveau bilan provisoire, gouvernement haïtien, une semaine après passage ouragan Mathieu sous pays a. Pour assister plus passé 1 million sinistrés, autorité haïtienne a déjà voué 50 conteneurs provisions alimentaires qui coûtaient 500 millions de dollars dans le département sud, Grand'Anse, NIP et Nord-Ouest pays. D'après ministre intérieur et collectivité territoriale, là, François Annick Joseph, qui rappelait priorité gouvernement. Distribuer de l'eau,
nourriture, médicaments pour les gens qui n'ont abri provisoire avec la communauté qui est plus sévèrement touchée. Si c'est mardi 11 octobre, l'autorité haïtienne est arrivée à entrer en Zdeno, Damari et Klaziwa. Il y a un pilote ville cependant victime pour qu'on voit la présence de l'autorité. Pour arriver dans la zone sa yo, le ministère de l'Intérieur a fait qu'on est déjà réparé 60% dans la route primaire. Le ministère des Travaux publics, avec appui le Centre national des équipements et de l'autre entreprise qui est partenaire de l'État haïtien, yo rivé rétabli à date plus de 60% des voies de communication primaires et secondaires endommagées à la suite du passage de l'ouragan Matthew. Les départements du Sud et de la Grand'Anse ont été renforcés en personnes ressources et en matériel lourd. En plus des dégâts, l'ouragan Matthew détruit entre 80 à 95% de plantations paysans. Pour éviter que le pays tombe dans le grand goût dans le mois qui vient, le ministre de l'Intérieur a lancé un appel à la communauté internationale. Nous demandons aux partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui décident pour nous aider, dans le domaine de la semence. Semences et matériel agricole pour nous capables de relancer campagne d'hiver et campagne de printemps rapidement pour nous capables de faire face avec possibilité de rater manger qui est capable de bien dans le pays dans le prochain mois. Déjà, il y a divers pays amis Haïti qui manifestent solidarité avec les haïtiens. C'est qu'un pays la France, États-Unis, Venezuela, Allemagne et République Dominicaine. Orpha des sources. Merci un peu. Alors, Fadi des sources. Tout à l'heure, on a parlé avec Alexander Galvez, hein, concernant la République Dominicaine. Bon bourrade. Bon, bourrade, on a pris, c'est bourrade. Mais ça nous a dit, on a eu une bourrade ça. Donc, dignité. Quand on continue à respecter les grands âmes de l'an, donc, on a un pile monde, fait un pile débat. Les sous-bourrades, République Dominicaine, non? Et donc, tout bagaille, là, qu'on a stocké, et qu'on fout, pas même besoin, à le prendre, Galvez, puisque, il y a envoyé lisse, tout ça, qui est en rentrée, au banc, nous. Donc, nous prenons le bail lisse, sous toute réserve. Bon, on parle avec Galvez, plutôt, information en plus, en plus, sur tout ça, le bail. Oui, Galvez, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour bossé, bonjour tout de Radio Caribe. Oui, dis-nous non, et qui ça aide la République Dominicaine à constituer par rapport avec le pays d'Haïti? Bon, premièrement, samedi ou hier, gagné l'ancien premier ministre Jean-Marc Bellerive, et bien qui te recevra officiellement tout aide dans Jimani, au nom du président de la République et au nom du peuple haïtien. Ensuite, machines ont rentré à peu près de 612 machines. 612 machines? Et différentes de compositions. Premièrement, qui machine, la République Dominicaine. Et la République Dominicaine qui rentrait avant personnel, gagné 12 excavatrices, gagné 4 gridets, 4 bulldozers et 3 rouleaux avec des centaines de tonnes de fer et ciment et sol. Mm-hmm. Eh bien, matin là, il a préparé une base à côté marine haïtienne de Carrefour et puis il a parti après et Jérémy, Grand'Anse selon selon l'État haïtien. Gagné tout et la présidence dominicaine, eh bien, qui venait avec des milliers et de sol de bananes et platanos en espagnol. Eh bien, côté autorité haïtienne, hier soir, et jusqu'à minuit, eh bien, t'as débarqué, eh bien, des centaines de camions, et de toutes sortes, eh bien, gain tout, 6 usines mobiles, entendez, qui capables de délivrer par jour 45 000 plats mangés par jour. Eh bien, hier, c'est, ils ont entré, eh bien, matin là, on convoi, cap parti pour aller directement, et dans Zandas. Eh bien, dans Okaï, eh bien, dans tout côté, l'État haïtien désiré. Alors, ça n'a pas signalé avec Bob, et ça, le domaine qu'on a rentré en Haïti. Qu'on y a, nous t'en que l'État haïtien profite, eh bien, pour bailler une bonne utilisation, parce qu'il est rentré avec tout le document, eh bien, il y a un pile cas, nous connaît, et qui pas gagne ton ratio, et il y a un pile école qui est écrasé, eh bien, il est rentré avec tout équipement. Il y a deux bateaux
depuis hier, eh bien, qui, dans la zone Jérémie, et gagne un bouc étoileté avec le bateau de la marine dominicaine, et bien, qui là, qui vient avec des équipements et asphaltiques, eh bien, côté, il n'y a pas de travail seulement dans la route, il n'y a pas de travail tout, et en pont, surtout, et ensuite, et selon désir, et l'État haïtien, eh bien, les plus nécessaires, et pour capable mettre quelques écoles à fonctionner, il y a un tout guerrier, ministre de l'Éducation dominicaine, qui rentrait. Il y a chaque ministère qui rentrait hier, eh bien, selon et l'ordre président de la République dominicaine, eh bien, lui demander non seulement pour faire tout ça avec un pile d'humilité, avec un pile respect pour le peuple haïtien. Guerrier, forme du tout, hier, c'était des milliers de monde dans Jimani, eh bien, qui vient recevoir, eh bien, tout. Et Dominicain qui a exprimé et bien par rapport à Haïtien, et bien yo dit Haïti c'est frère gagne cette République dominicaine et lui-même et yo même bay équipement gratuit à l'État dominicain pour capable rentrer et pour capable venir travailler surtout dans Jérémie dans la danse, mais tout ça doit être fait dans le respect et dignité selon ordre président Danilo Medina. Et bien il y a un abgadé et toutes les regardés de l'armée dominicaine, eh bien, il y a une inscription spécifique à tout personnel là, eh bien, il y a dû traiter tout haïtien à la Honda D, eh bien, dans la zone sud là, dans Port-au-Prince, tout côté où avec le sécurité. Regardez, par exemple, le soir, autorité haïtienne, à la vérité, jusqu'à minuit, le soir, malgré ça, il faut qu'on finisse toujours, parce que camions, yo en pile, ils sont nombreux. Nous avons gagné près de 12 dépôts dans son API, eh bien, qui pratiquement plein avec nourriture. Eh bien, nous souhaitons tous les Haïtiens pas quitter mon état au gâté. Eh bien, nous connaissons par exemple gain banane, un pile d'argent qui pas carité. Alors, nous avons un problème là, et bon, c'est qui s'allie, gagne 500 000 livres viande qui rentrent avec 10 000 livres fromage. Alors, nous pas gain côté pour nous mettre yo. C'est un chambre froide qui nous a besoin. Alors, nous avons demandé si il y a un monde qui a un chambre froide disponible pour contacter avec l'autorité, ministère des collectivités territoriales qui, dans son API, eh bien, pour capable faire contact avec Mountaïo parce que le conteneur doit aller, eh bien, et produit ça, il doit toujours être, eh bien, côté bien glace, côté glacé. Alors, nous avons besoin que des mondes qui ont des chambres froides. Et des grandes chambres. L'on dit nous, vous avez contacté tout, Galvez? Est-ce que vous avez contacté tout ou même? Bon, moi-même, pour que ça, là, c'est moi qui appartient à l'État haïtien. Toute aide là, yo appartient à l'État haïtien pour le peuple haïtien. Ça veut dire, nous-mêmes, nous avons une nouvelle là, que nous avons un problème ça dans son API. Pas de chambre froide qui va recevoir tout. Okay. Et produits pour les SAO, et bien nous demander des mondes contactés, oui, des mondes et des employés de l'État et du ministère, des collectivités territoriales, et bien, il y a au courant de problèmes là, pour nous avoir besoin d'une chambre froide pour nous avoir mettre produits SAO. Et comme je le guerrier, et dans tout le monde là, sous Jimani, ou après Malpas, qui est un parisien, et bien, des milliers de monde est campé à garder ça qui est rentré là. Alors, et gagnant secteur haïtien dominicain qui s'en domaine, et bien yo même tout yo côté parti pa yo, et bien yo mandé tout pour tout le monde, et bien qui sorti de Santo Domingo qui vient Haïti, et bien tout ça doit faire avec respect et dignité. Alors cuisine mobile yo qui entre là, yo va faire manger pour et va faire manger dominicain haïtien yo connait haïtien yo même après ba yo l'autre après un menu mais qui manger au besoin préparé pour peuple là. Eh bien, moi, ça a préparé avec l'ordre, discipline et dignité pour les Haïtiens, soit dans Jacmel, soit dans Okaï, soit dans Grandance, dans Akin, et dans Tiburon, dans Tobet, dans Maniche, tout côté les Haïtiens besoin de eux-mêmes aller, nous sommes disponibles déjà. D'ailleurs, information qu'on travaille tout côté, nous sommes là sur les lieux, et ils sont entrés avec 95 camions en parlant de la République dominicaine, et puis les Haïtiens ont tout profité. Et bien, plus qu'avancer pendant 3 mois, c'est un grand effort. Peut-être, mon dans le sud, mon grand danger, mais capable de soulager, au moins, notre titan, pour être capable de jouer une pique-clé, côté capable de marcher le matin. D'accord.
Merci un peu, Alexander Yalves. Il y a des sonapis, il y a une chambre froide, même des faes, il y a une chambre froide à disposition. Donc, c'est pour l'autorité, ça y est au courant. C'est des produits réfrigérés. Si elle met dans la chaleur, il y a transformé en capa poison. Même les gens qui vont le consommer, il va avoir une grosse conséquence sur les gens qui vont consommer, qui vont avoir une diarrhée. On connaît produit ça aussi de rendre des timonio, fromage, etc. On met dans des endroits pour capable protéger aussi de bien. Oui. L'avancé avec le ministre des Affaires étrangères, Pierrot Delien, qui présentait bilan sur la participation de la communauté internationale en Haïti dans l'aide pour les victimes ou agents Macheo. Le ministre a toutefois fait qu'on ait eu un travail dans la tête collée avec l'autre ministère. Pour yo capable bien coordonner action au gouvernement, ministre Pierrot Delien dans le micro à des sources. Je vais commencer d'abord, dès que le cyclone est venu, on a eu des appels téléphoniques de plusieurs hautes autorités du monde manifestant leur sympathie tant auprès du gouvernement, mais aussi du peuple haïtien. Et les premiers arrivés, c'était d'abord le Venezuela. Il est venu avec deux avions chargés d'équipement et ensuite de bons bateaux sous la galère. Après eux, automatiquement, les États-Unis d'Amérique du Nord ont été venus avec équipe qui t'a fait survol territoire là. Et ensuite, ils sont venus avec des conteneurs destinés non seulement à la protection civile, mais aussi à certains opérateurs d'ONG. Après ça, nous avons plusieurs autres pays qui étaient venus, notamment la Colombie qui vient avec un bateau, qui ont mis à disposition du gouvernement de la République pour un mois. Bateau sali la Kouniala, mais pour le déplacer pour passer de ville en ville dans le sud, sud-est, Grand Nasnip, avec possibilité pour de l'eau, traitement et tout ça. La coopération cubaine lui-même était venue avec des hommes et des femmes, des médecins épidémiologistes qui étaient venus là et allaient sur le terrain directement pour assister et nos frères et sœurs qui ont été affectés par l'ouragan. Ensuite, nous avons d'autres pays encore, des institutions comme l'Union européenne. Et pas plus tard que hier, on a reçu nos amis de la CARICOM avec le secrétaire général et aussi le premier ministre en exercice qui est de la Dominique, qui était venu manifester sentiments personnels. Autre élément encore à considérer, et dimanche, nous avons reçu la visite du président dominicain qui était venu manifester ses parties et il met une équipe de travail qui prend le travail conjointement avec les ministres chez nous, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau des travaux publics, en vue de la reconstruction des routes du pays. Mais comme l'a dit le ministre Joseph tout à l'heure, c'est que tous les premiers pas ont été faits par le gouvernement de la République.